c'est une chose, là où tu veux bénir, là où tu veux faire du bien, tu envoies ta parole. Merci Seigneur. En regardant seulement les thèmes de cette année et les thèmes de cette semaine, je peux comprendre dans mon esprit que tu as décidé de mettre fin à beaucoup de choses qui humiliaient mon frère et ma sœur. Merci Seigneur parce que, oh, l'histoire de mon frère, l'histoire de ma sœur sera racontée différemment. À toi la grandeur, à toi la majesté. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons nos Bibles. Alors nous allons faire cette lecture. Et puis nous allons nous mettre. On va lire dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. On va aller cette histoire, cette expérience à partir du verset 1. Nous lisons. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut ? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impie. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et il s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous firent dans l'étonnement. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alléluia. Que Dieu soit béni. Je prie pour que ce qui va se passer cette année 2021 dans ta vie et Kamu Sabatou. Oh, l'obézanga. Ce qui va se passer dans cette année 2021 dans ta vie, que ça étonne plusieurs. Famille tata na yo et kamo na kombo na Jésus-Christ. Famille maman na yo et kamo na kombo na Jésus-Christ. Même les quartiers, est-ce que tu crois que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, agite un peu la main. Oui, c'est possible. C'est possible. Vous savez, ignorer l'adversaire, ce n'est pas ça la foi. Ignorer l'adversaire, ce n'est pas ça la foi.
Ça veut dire, si vous voyez quelqu'un qui minimise la sorcellerie, qui minimise les forces des ténèbres, souvent, des gens, des personnes, Asa déjà envoûté. Ignorer l'adversaire, ce n'est pas la foi. Mais souvent, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience qui pousse parfois d'autres personnes à ignorer l'adversaire. Mais la foi, c'est quoi? La foi, je n'ignore pas l'adversaire, mais je m'appuie sur ce que mon Dieu est capable de faire. Ça, c'est la foi. Je n'ignore pas la sorcellerie. Je n'ignore pas l'occultisme. Je sais que ces choses existent. Mais moi, je m'appuie sur ce que mon Dieu est capable de faire. Ça, c'est la foi. Mais ignorer ces choses-là, ce n'est pas la foi, c'est l'inconscience. Souvent, ceux qui sont déjà, ils ont tendance à dire, ça, c'est l'inconscience. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, ce que je suis venu faire, c'est quoi? Je suis venu nous pousser à nous engager dans ce programme de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est quoi? Mettre fin au règne des ténèbres. Et je veux que chacun s'engage. Parce que dans tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Nalingi, namona mutumo ko s'engager dans le programme Nzambe. Amen. Parce que quand vous regardez l'expérience, il y a Marc chapitre 5. Là, en lisant seulement ce texte, donc il y a de bonnes raisons pour que chacun de nous s'engage au de la vie, c'est-à-dire mettre fin au règne des ténèbres. En lisant seulement ce texte, vous comprenez que je dois m'engager. Je ne dois pas rester spectateur dans ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que je n'ai pas été sauvé pour être spectateur. J'ai été sauvé pour agir. Et donc, tu dois agir. Amen. Venir dans la semaine de prière, c'est bien. Mais participer dans ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est ce qui est mieux. On peut être là, mais juste comme un spectateur. Mais on peut être là aussi pour participer. Mais je veux que tu participes. Oh, je veux que tu participes. Et ce soir, je veux pousser chacun de nous à participer. Et en regardant ce texte seulement, au moment où la raison ni les autres n'engagent n'ayo de participer, que tu ne sois pas spectateur. D'abord, quand tu regardes ce texte ici, tu peux comprendre. La première chose, je dis, les forces des ténèbres n'ont pas dans leur calendrier un programme de liberté pour ta vie. Mokinamolili. Les forces des ténèbres n'ont pas dans leur calendrier un programme de liberté pour votre vie. Ils n'ont pas ça. Pas ça dans mon côté. Vous savez, si vous ne faites rien par rapport aux forces des ténèbres, vous finirez la vie comme ça. Ces gens-là, c'est qui nous haïssent là. Le sorcier, ou les occultistes, ou les magiciens, tous ceux qui travaillent avec les diables n'ont aucun programme et liberté pour la vie. C'est pourquoi si tu es en face de ces choses, sache que la liberté ne va pas se donner. Tu dois arracher ta liberté. Allô, ma bien, amen. Oui. Oui, mais j'ai eu à aider des sorciers pour abandonner la sorcellerie. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aucun des sorciers qui m'a dit, oh, j'avais un programme, il y a bénédiction pour ma famille. Aucun. Azaga, na loka bango babo takate, na loka bango si sa classité, na loka bango, pour combien de temps? Il n'y a pas un programme à liberté. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, ça, il a fait dans la famille, si tu ne te bats pas, tu mourras dans cette condition. Amen. Ce qu'on boudite, on couvre dans la condition. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas miséricordieux. Est-ce que vous comprenez, Mme Nazolo? Parce que ce qui profite de ta vie, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, ils ont des grandes maisons parce qu'ils profitent de ton étoile. Et ils ont des grandes richesses parce qu'ils profitent de ton étoile. Et ce qui profite de ta vie ne te laisseront pas facilement libre. Moutou et Osokaza Moukonzi parce qu'ils profitent de ta vie. Moutou et Osokaza Moukonzi parce qu'ils profitent de ton étoile. Il ne te laissera pas libre facilement.
Donc, tu peux comprendre que la liberté que tu cherches là, la liberté ne se donne pas. On doit se battre pour la liberté. Tu le dis, amen. Vous savez, j'ai aidé une femme. Cette femme-là est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, ceux qui n'ont pas lu, je passe la nuit comme un cadavre. Dans l'autre agaté, rien. Mais par contre, quand je me réveille le matin, je sens comme si dans mon corps, il s'est passé quelque chose. Je dors comme un cadavre. Mais le matin, quand je me réveille, je sens comme si, et l'eau mourait salamment à la finale. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Alors je lui ai dit, la meilleure manière, c'est de faire des choses. Parce que quand nous approchons de plus en plus de Dieu, les yeux s'ouvrent. Il a dit, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te révélerai des choses. Ce n'est pas les choses qui n'existent pas. Les choses qui existent, mais qui sont cachées. Amen. Vous savez, si on nous demande de compter les gens, le nombre de gens qui sont ici dans cette salle, même à l'extérieur, on peut faire ça chiffre moroboué. Mais ceux qui nous aiment, font les buissons mistes, tous en nombre de tes. Tout ça plus que ces nombres. Il y a des choses qui sont ici, il y a des anges qui sont là, mais ils sont cachés. Tout ce monde a bangoté. Ceux qui nous aiment, font les buissons mistes, tout le monde. Amen. Ce n'est pas parce que mis sur nos monités que l'eau que ça te. Et ça est plus que ça, mais mis sur nos monités. Amen. Est-ce que vous comprenez le coin? Et ça, la chaîne, et ça, mais mis sur nos monnatés. Et ça, la barrière, et ça, mais mis sur nos monnatés. Il y a des gens qui sont visités par des maris de nuit, femmes de nuit, mais niveau, il y a sommeil spirituel, ils ont permis d'être à mon âme même. Vous savez, faire même un songe, c'est un bon signe déjà. Kolota, c'est un bon signe déjà. C'est-à-dire, aux oies ceux qui anesthésient locale, car. Mais il y a un bateau basé en open d'air général. Ce qu'on a dit est bembe. Il y a un seul logo tagateur, c'est un mauvais signe. On doit mettre fin au règne des ténèbres. Amen. Et on a commencé à prier avec cette femme. On a commencé à prier, on a prié. L'Esprit de Dieu est descendu. Elle a été touchée par la puissance de Dieu. Elle est tombée, on a chassé les démons. Elle s'est réveillée. Et puis après, elle est rentrée chez elle, dans sa maison. Et le jour suivant, elle est venue me voir. Elle est passée dans l'autre bruit. Dans la lit. Mais cette fois, première fois, dans l'autre, elle dit, mais Moutouana, partir du colon dans un moment. Non, mon égard, partir dans ma colle. À ce soir prochain, j'étais là. Sur les lieux comme paralysé, mais je voyais. Et puis, aller à Sinir, Nanga. Ah! Alors, moi qui ai. Parce que pourquoi je fais intention de la Bible? Non, tu dois élever le niveau de ta domination spirituelle. Parce que la Bible dit notre combat n'est pas contre le sang et la chair, c'est contre le pouvoir, c'est contre les dominations. Pour vaincre un pouvoir, il faut avoir un pouvoir supérieur. Pour vaincre une domination, il faut avoir une domination supérieure. Amen. C'est comme ça le combat spirituel. Alors, prions pour élever le niveau de ta domination. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et puis, elle est rentrée, on prie, on a posé les mains à cette femme, elle est tombée, la puissance de la saisie encore. Parce que grâce à Nzambe Kolaga, l'onction grandit. Amen. Autorité spirituelle Kolaga. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Alors, ce genre de démons ne peut sortir que par la prière et les gens. C'est-à-dire qu'il faut élever le niveau de votre autorité spirituelle. Pour que M. Soubakend. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi ma semaine de prière, ce n'est pas à l'avantage de Dieu, c'est à ton avantage. Amen. On a prié avec cette femme, elle est rentrée. Et cette fois-ci, elle a vu clairement son voisin. Elle dit, pourquoi vous êtes dans la gare? Mon père, nous avons tout le temps en mission. Pourquoi vous êtes dans la gare? Alors, dans le songe, elle a tabassé son voisin. Et puis, elle est venue me dire, bien sûr, son mari travaillait quelque part, mais bah, tinda ka mon père, nous avons tout mission. Ma mission, c'est 6 mois, 4 mois, 2 mois. Alors, quand on a délivré cette femme-là, elle est arrivée dans mon niveau, elle a détruit le mari de nuit là, vous savez ce qui s'est passé. Le patron de son mari, bizarrement, coïncidence, si mon en tout cas, je trouve que tu as trop fait de voyage, cette fois-ci, tu dois t'occuper de ta famille. Bizarre. Je dis, même ma mission, ma négociation dans mon bain,
Donc, les patrons, là, les maris de nuit allaient envoûter les patrons pour que les maris soient toujours en voyage, afin qu'ils profitent à la sinaï. Parce que quand on a chassé l'esprit, même à M. Silou, le patron dit à cet homme-là, voilà, tu vas maintenant t'occuper de ta maison. Et cet homme qui faisait ça, il n'avait aucun programme et liberté à Moissiwana. Vous savez, si vous ne vous battez pas pour votre liberté, Okosukandengwana. Amen. Parce que Jésus ne viendra pas faire des choses où il s'allie. Alors, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ a tout accompli pour que le tout accompli, ça se manifeste dans ta vie. Et je vous dis que c'est possible. Oh, je vous dis que c'est possible. Amen. C'est-à-dire, tu dois refuser. Il faut que chacun de nous refuse d'être un sacrifice pour l'enrichissement d'un homme qui a touché à l'occultisme. Tu dois refuser. Comme tu es là, Ozala, un sacrifice pour la magie mutuana. Vous savez, comment fonctionne le monde spirituel? Le monde spirituel, que ce soit dans les camps de Dieu, que ce soit dans les camps du diable, le monde spirituel fonctionne avec des sacrifices. Amen. Mais l'avantage que nous avons dans le camp de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ s'est sacrifié pour que Yobonga. Est-ce que vous comprenez le quoi? La Bible dit, pour que tu reçoives la guérison par ce maître, si nous sommes guéris. Il a fait un sacrifice. Pour que tu deviennes riche. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. C'est-à-dire, le monde spirituel ne peut pas fonctionner à ta faveur sans sacrifice. Et Jésus-Christ, c'est notre sacrifice, le sacrifice même suprême. C'est pourquoi en s'approchant de Jésus, ça l'a si okozwa. Ah, okozwa. C'est pourquoi quand tu t'approches, approche-toi, okozwa. Jésus a payé les prix. Maintenant, ceux qui vont dans le monde des ténèbres, ceux qui ont le mbongo, il ne faut pas sacrifier. Parce que le diable ne sait pas sacrifier pour eux. Est-ce que vous comprenez le quoi? Entre les mains du diable, il doit sacrifier quelque chose. Comme il ne voudra pas se sacrifier lui-même, il cherchera à sacrifier d'autres personnes. Et n'accepte pas. Il doit souffrir et parce qu'il a mis ton nom. On doit mettre fin à la reine des ténèbres. Oh, je dis, on doit mettre fin à la reine des ténèbres. N'accepte pas. Parce que quelqu'un en allant toucher à l'occultisme, il a cité ton nom, il exploite ton étoile. Il a sacrifice pour l'enrichissement. Non. Cette semaine, il faut aussi la nakombo na Jésus-Christ. Je dis cette semaine, il faut aussi la nakombo na Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde croit que c'est possible? Je dis cette semaine, il faut aussi la nakombo na Jésus-Christ. Kozala mbeka ya mutute. Kozala mbeka ya mutute. Mbeka na yo za Yesu Masia. Nga ko za sumbeka ya mutute. Libala na yo za lambeka ya mutute. Santé na yo za lambeka ya mutute. Kobota na yo za lambeka ya mutute. Diplôme na yo za lambeka ya mutute. Rien oyo nzamba pesa yo pe bongisa yo za lambeka ya mutumoko. Il faut le refuser et cette semaine ça va céder au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui. Parce que la réalité spirituelle domine toujours aussi la réalité physique. Ce qui n'est pas au sala, dans le monde spirituel, dans le monde physique, au sala. C'est comme ça. Ce qui va balayer déjà dans le monde spirituel, dans le monde physique, moi, balayer ça. Parce que le mariage spirituel supplante le mariage physique. Et ça ne peut pas marcher. Amen. Tu dois mettre fin. Tu dois mettre fin au règne des forces des ténèbres dans ta vie. La deuxième chose quand nous regardons ce texte, qu'est-ce que nous voyons? Non seulement le monde des ténèbres n'ont pas un programme de la liberté pour notre vie. Deuxièmement, les forces des ténèbres peuvent faire de votre vie une charge. Une charge. Vous savez, cet homme, il a fouillé à Gadara. Il n'y avait pas un programme. La Bible ne parle pas de son âge. La Bible ne dit même pas combien de temps les démons ont fait dans sa vie. Il n'y avait pas un programme. Pas un programme. Vous savez, si tu es là, on peut les sentir. Il y a des gens qui peuvent sentir que
quand je, la nuit là, il se passe quelque chose dans ma vie. Mais quand nous nous mettons à prier, ils se mettent à se contrôler. Parce que, à ce bang, à ce qui n'y a. Ah, bilo, on me souffle, bima, po, yo, bonga. Amen. Bilo, on me souffle, bima, po, yo, bonga. Je vous dis, avec le peu d'expérience que j'ai avec le Seigneur, j'ai compris que dans bilo, on me souffle, bima, po, yo, bonga. Sans quoi, yo, bonga, te. Alors, il faut parfois accepter la mort du moi pour que Dieu fasse quelque chose. Quand on est trop esclave de sa personnalité, c'est difficile de vivre la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, on a prié dans une famille là, et prié pour la femme. La femme est tombée, on a prié pour les enfants. Et le papa qui nous appelle, est-ce que vous ne pouvez pas faire pour moi une prière simple? Parce que Aza tellement trop esclave de la personnalité dans la vie. Est-ce que vous ne pouvez pas faire pour moi une prière simple? Hein? Une prière simple pour nous croyer comme bango ba croyer. Ça, ce n'est pas bien. Amen. Dieu te respecte plus que toi-même. Amen. Donc je disais, les forces des ténèbres peuvent faire de votre vie une charge. Vous savez, regarde la vie de cet homme. Oui, Jean Amouto, fouille à Gadaro, il est devenu une charge. Une charge pour ses parents, une charge pour ses amis, une charge pour la société. Il était inutile. Azaba Jean et Abatoyo, Batoaba, ah, Akoufana Genropema. Parce qu'il ne produit rien. Une charge. Mais quand Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés avec cette vision. Zambabagi, je ferai de toi une source de bénédiction. Yosa chargeté. Oh, je dis Yosa chargeté. Et ça, parce que ce sont des sous il faut tellement l'amour. Jusqu'à quand? C'est pourquoi, à nous, nous avons une petite vision. Les graines des ténèbres, il faut soukana na combo na Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas une charge. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu n'es pas une charge. Même la femme n'est pas une charge, parce que la femme aussi, a sa descendant d'Abraham. Le même Saint-Esprit qui habite dans l'homme, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans la femme. Tu peux produire la richesse, c'est... Le mariage n'est pas une délivrance, c'est juste un choix. Tu peux choisir de te marier, tu peux dire aussi, mais mariage et la délivrance, c'est juste un choix. Parce que Dieu n'a pas créé un homme marié, il a créé un homme célibataire. Donc l'homme peut vivre comme ça aussi. Sur Lingobali, oui, j'ai décidé de me marier. Mais il ne faut pas oser le mariage comme si, il faut aller là. Non. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, amen. Ce que parle la Bible, Banzale, Zagamaka, Salanini. Lukamusala. Parce que si tu te maries dans cette condition-là, tu seras une charge pour ton frère. Charge. Amen. Ils ont fait de la vie de cet homme une charge. Quand tu regardes, on ne parle pas de son âge, mais il était là tout le temps ni. Se faisant mal lui-même avec des pierres. On venait avec des chaînes pour les lier. Mais ça ne marchait pas. Et puis quand on allait enterrer, comme il habitait aussi le cimetière, quand on allait enterrer, parfois les gens étaient obligés à changer de zéla parce qu'il est là. Une charge. Une charge. Tu dois refuser d'être une charge. Et ça n'a pas aidé, mais il faut que souka quelque part. Ce n'est pas normal. Il faut que les choses changent dans ta vie. Et ici, on nous fait voir. Vous savez, quand les forces des ténèbres ont la prise sur ta vie, on rosa la charge même si l'âge avance. Donc, et l'autre va nous avancer dans la vie, nous avons un âge à pas messili. Parce que là, on ne peut pas empêcher ça. Mon est commis en 2021. Bon, on lingate à nemo que bagisam na vino. Oh, par la foi, et bagisamite, et bagisam. Ce qui va commencer à s'ajouter dans ta vie que des années, c'est fini. Une charge. Il y a des gens même qui ne se gênent pas. Oui, mais je dis cela pour que elle pèse au canard. Parce que, oh, zoko haï, tu vas les repousser. Mais ce que tu tolères, tu ne peux pas changer ça. Il y a des choses que tu dois plus tolérer. Cet homme était devenu une charge pour la société. Hein? Vraiment, c'était malheureux dans cette vie-là. À quel âge? Là, on ne parle pas de son âge, mais une charge. C'est ça le monde des ténèbres.
Tu vas voir des gens sur le tali âge, au tali comportement. Tu vois que c'est pas bien. Vous savez, quand tu es dans le monde des ténèbres, l'emprise sur ta vie, à ce qu'on humilie, qu'on brise, vous savez, même si on est sur la route, à ce truc, à une côte, ça le beau quoi, à mis sa mouchoir, pas mouchoir, mis ce qu'il y a déjà. Regarde, c'est une personne bonne. Passe. Il y a des choses que tu dois refuser au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que, tu vois, sur ce camp, si par malheur, tu es dans des familles où débat si bloc à Golia. Donc, il n'y a pas maman Lek, à dire le bisou pondou, mais tu es un pio d'été. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Golia a bien pris la mine au sein de débat pas un peu malade. Une charge. Une charge. Vous savez, quand, dans une famille où la grâce de Dieu a visité, quand vous vous racontez, vous parlez des bienfaits, des hauts faits de Dieu. Au moins, il va conflit les aramoukiers. C'est pourquoi moi, je pense que les pauvres seront plus en enfer qu'au paradis. Parce que les pauvres, là où il y a la pauvreté, il y a beaucoup de conflits. Il y a où il y a la richesse, Mdamdawa, qui peut venir. Au moins, là, même dans le quartier. Hein? Frère, il faut bonga. Ah, l'obana ko bonga. Ah, l'obana ko bonga. Ah, l'obana ko bonga. Il faut bonga. Hein? Même dans les quartiers, quand vous êtes entouré de pauvres, il y a trop de problèmes. Hein? Mais quand vous êtes entouré de riches, il y a moins de problèmes. Vous allez voir que vous fonctionnez comme des solutions. Câble, katani, il y a pesé 100, il y a pesé 200, vous trouvez une solution. Mais quand vous êtes avec les pauvres, attends, il y a 10 dollars, un problème. Oh, Amélie, 1000 francs. Amélie, 1000 francs. Oh, salut, aïe, aïe, aïe. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Il faut bonga na kombo na Jésus-Christ. Refuse qu'on fasse de ta vie une charge. Aujourd'hui, même le corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas une charge. Amen. Tu dois refuser que ton corps soit une charge pour ta vie. Parce que Dieu t'a donné ce corps pour que pendant ton séjour sur la terre, que ton corps là te sert. Il ne faut pas nous autres, on est humilié, Gaïo. Tu peux refuser ça. Dans la semaine, est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, tu peux refuser ça. Dans la semaine, je vous dis que c'est possible. Amen. Ne sois pas une charge. Vous savez, j'ai des couples Mokoboye. Couple Wana. Mais où t'as Lubumbashi? Ils se sont installés quelque part dans la première rue, là où les Chinois ont établi l'hôpital Gentai. Mais avant, c'était un immeuble, les gens louaient. Parce que prier, c'est une chose, mais vivre la délivrance, c'est une autre chose aussi. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, je crois, verset 30 à 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais il dit à qui? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Croire à Jésus, c'est une chose, vivre sa délivrance, c'est une autre chose aussi. Amen. Parce que les enfants d'Israël qui subissaient les humiliations en Égypte étaient descendants d'Abraham. Ils priaient les dieux d'Abraham, mais ils subissaient les humiliations. Mais donc, à part être en communion avec le dieu d'Abraham, ils devaient passer par la délivrance pour jouir le lait et le miel. Est-ce que vous comprenez la dimension? Amen. Mais quand ils étaient en Égypte, parce que les Égyptiens, ils étaient des descendants d'Abraham, en communion avec le créateur du ciel et de la terre. Mais à part ça, à part cette identité, il devait expérimenter la délivrance pour jouir de la bénédiction. Et ce couple-là, cette sœur, la sœur travaillait dans la polyclinique Mogobo 24. Alors, la sœur là, l'immeuble en question, on faisait louer à 100 dollars. La sœur, on le payait 80 dollars. Et elle a accepté de louer l'immeuble, le loyer se coûtait à 100 dollars alors qu'on le payait à 80 dollars. Et son mari, licencié en économie, qui ne faisait rien, il était là avant d'arriver à la Rabana. La sœur a fini graduée en l'ISTEM, c'est elle qui travaillait quelque part. Et ce qui a reçu 80 dollars en la fin du mois, il faut se battre pour que ça 100 dollars va faire bafoutandako. Bon, on lit à ce quoi.
savez, les jours que je suis allé dans le passé, Dieu a permis que Nakuta n'a pas été. Parce qu'à part la souffrance, elle faisait des songes bizarres. Chaque nuit, elle rêvait qu'une femme venait se mettre sur son ventre. Bon, il ne pouvait pas chasser les démons parce qu'il n'avait pas de communion avec Christ. Donc, il fallait d'abord la sauver. Alors, on a moi apporté. Cette femme est venue me voir. Donc, elle m'a raconté, chaque fois qu'elle s'est réveillée, la première riwana, il faut que le Moussa en a 24. Alors, comme je ne connaissais pas où il marchait, il n'y avait pas de elle suivait Vanzela et Taxi Bis. Donc, à la nuit, il y a un taxi secondaire. Il y a ce qui m'a collé. Jusqu'à l'hôpital. Quand elle est arrivée, elle a pongé suyé. Parce qu'elle a tellement marché. Là, elle a permis. Et puis, quand elle a pongé suyé, elle a eu un zongi, a zongi sous ma colle. Le jour que je suis entré dans la maison, il y a un couple. Vous savez, là où il y a la pauvreté, tu sens même l'air, il y a un dakouana, et suit pauvreté. Tu sens que ici il y a la. Oui, mais ils ont la pauvreté, ils sont au camoufle, ils sont au cocaté. Ils ont tellement ma casse que moi, je suis au camoufle. Ils ont. Bah, ils ont quitté dans mon fauteuil, mon bâtier bonga nassé. Donc, ils ont fait une fauteuil, ils ont fait une bonga. Ils ont fait. Donc, même pour jeter, ils ont fait un cocaté. Et la femme me dit, moi, papa, je suis sur ton ami l'osso. Tu vois, là, dimanche, tu vas chauffer pendant une semaine. Parce que. La pauvreté. Alors, on a commencé à payer. Parce qu'on voulait savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Apparemment, la femme ne voyait rien. Sa conscience ne lui reprochait pas. Mais frère, ne sois pas esclave de votre conscience. La révélation est plus que votre conscience. Vous pouvez être trompé par votre conscience. Son mari aussi n'avait rien à se reprocher. Mais quand nous sommes en train de prier, et puis la femme a dit, papa, voilà, nous avons toujours la vente de la carte de balle. Nous avons toujours la vente de la carte de balle. On a encore prié, on a prié. Et puis, Dieu est venu, Dieu nous a parlé maintenant clairement. A dit, voilà, cette femme, pourquoi elle souffre? Parce que sa vie est dans l'eau. Comment ça, sa vie est dans l'eau? Alors, il dit, moi, troisième mois-ci, c'est la cérémonie qui est en train de se faire. Alors, il y a le troisième mois-ci, c'est la cérémonie, les sorciers ont profité, les occultistes ont profité, c'est pourquoi elle rêve toujours dans la rivière. Alors, il y a la rivière, et puis, Dieu ne nous délivre pas dans l'ignorance. Dieu ne nous délivre pas dans l'ignorance. Alors, vous connaissez la vérité. Et la vérité? Oui, il ne faut pas que ça. Non, non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Oui, ça va attendre. Mais peut-être ça continue à te réclamer aujourd'hui. On doit mettre fin au règne des ténèbres. Ce que je veux cette semaine aujourd'hui, que chacun de nous s'implique. Coopère avec Dieu. Amen. Alors, Dieu nous a dit, j'ai délivré cette femme. Parce que la vérité est sortie, et c'est fini. Je lui ai délivré. Et puis quand Dieu a dit ça, il s'est passé au moins deux ou trois semaines, Banque centrale et Fonds Polyclinique Nabango. Cette femme, elle a déposé sa candidature là-bas, elle a été retenue. Je vous dis, dans moins de temps, cette femme qui était une charge. Donc, on sentit que vie, il n'y avait plus rien ici. Mais voilà, dans moins de temps, cette femme s'est retrouvée. Namutuka, on sent maintenant qu'à côté de la vie naïe. Mais il fallait mettre fin au règne des ténèbres d'abord. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas servir des maîtres, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas aller loin si on est impliqué dans les deux royaumes. Il faut se positionner. Tout le bien, amen. Il faut que tu te positionnes pour que Nzamba se glorifie dans la vie naïe. Et la troisième chose, quand nous regardons ce texte, nous disons, les forces des ténèbres peuvent rendre nul votre destinée. Les forces des ténèbres. Ces forces peuvent rendre nul votre destinée. Vous savez, quand vous regardez cet homme, du verset 1 jusqu'au début, là, c'est vraiment, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais quand nous regardons le verset 20, cet homme-là, oh. Donc, dans le programme de Dieu, cet homme, c'était un évangéliste. Un homme que Dieu a destiné pour piller l'enfer et remplir le ciel.
Mais le même homme que Dieu a destiné pour piller l'enfer et remplir le ciel, voilà, avant que Jésus-Christ mette fin dans le règne des ténèbres, cet homme humilié. Oh. Sont allés vivre dans quel contraste. La même personne, voilà. Oh, Azar toujours ni dans la tombe. La même personne là qui se fait du mal avec des pierres. La même personne là qui on vient avec des chaînes, il brise les chaînes. On vient avec des fers, il brise les fers. C'est la même personne qui est appelée à piller l'enfer. Bizarre. Est-ce que vous comprenez le Coran? Bizarre. Donc, cet homme, les démons ont décidé de rendre nul sa destinée. Mes frères et sœurs, ce qu'on a vu qu'on bundate, si tu ne t'associes pas avec le Seigneur pour mettre fin au règne des ténèbres, le risque est que, au souk, ça finit au kakaboy. Dans l'humiliation, dans la confusion. Vous avez vu, quand on regardait cet homme-là, il y a des gens qui disaient, « pourquoi personne n'a famille au mutaboy ?» Et puis les gens de son époque, ils ne voyaient pas les démons. Ils pensaient maîtriser les démons avec des chaînes. Ils pensaient maîtriser les démons avec des fers. Mais ça échouait. Donc, et puis il y a des gens qui disaient, Moutaboy, Akoufara, Kenropé, Manaye, il n'y avait plus rien. Donc c'était fini. Mais Nzoka, cet homme-là avait une grande destinée. L'évangéliste de Dieu. Celui qui doit piller l'enfer et peupler le ciel. Mais avant, à côté de la destinée, voilà comment il est humilié par les démons. Humilié par la sorcellerie. Humilié par les occultistes. Vous savez, il y a des gens qui sont parmi nous. Vieux aux hommes, mais n'est-ce pas yoté. Et ça yoté. Dieu ne nous a pas créés pour nous humilier. Non, 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 non. Il n'a pas dit, créons l'homme en notre image pour qu'il soit humilié. Il n'a pas dit ça. Dieu nous a créés pour que nous partageons sa gloire. Amen. Vous savez, cet homme, quand vous regardez sa vie, les démons ont décidé de rendre nil sa destinée. Et puis, ils ont humilié. Bah, tiens, la condition, mon gros boy, il n'y a plus rien. Quelle condition d'humiliation? Il y a des gens, leur vie, sont allés vivre à Zomene, ça n'a rien à voir dans le programme en Zambé. Il ne faut pas penser que tout ce qui arrive sur la terre, c'est Dieu. C'est faux! Si tout ce qui arrivait sur la terre, c'est Dieu, Jésus-Christ n'allait pas nous dire, prier pour dire que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que Jésus reconnaît que sur la terre, il n'y a pas seulement la volonté de Dieu. Il y a la volonté des hommes, il y a la volonté aussi des forces des ténèbres. On peut être victime, il y a la volonté à force des ténèbres. Amen. On peut être victime de ces choses. Être humilié, brisé, cet homme. Comment moutou yaboye? Moutou yoboso mon anio, hein? Mais la destinée, c'est celui qui va piller l'enfer et peupler le ciel. La même personne que les gens fouillaient, quand Jésus a travaillé dans cette vie, c'est la même personne que les gens maintenant avaient invité. Bizarre. Est-ce que vous comprenez la dimension de la vie? Vous savez, j'ai aidé une sœur, une autre femme aussi. Cette sœur-là, son mari a fait la médecine, et elle a fait l'ISTEM ici. Et puis, donc, à ça, Jean a passé elle prie avec nous de l'autre côté là. Jean va faire, elle peut venir balayer toute la salle comme ça. Politesse en dingouane. Mais des mots qui parlent, vous connaissez. Est-ce que c'est Marie de nous qui parle? Oh, c'est Wana Zaga, Pauline n'a attaqué. Non, qui parle, vous connaissez. Donc, c'est le genre de serreux, ceux qui ont un département, il y en a aussi, il me semble. Parce qu'elle ne viendra jamais avec les explications. Par exemple, M. Soko Simsi Mbongo, vous avez ma casse. Hein? Elle est déjà de zéro, elle ne viendra jamais avec les explications. Donc, on peut se nous pas détailler même. On pas bon goût de utiliser la terre, on peut se nous pas détailler. Cette sœur, elle priait avec nous là. Elle était là, une bonne sœur, témoignage et vente. Mais la réalité spirituelle, c'était autre chose. Vous savez, il y a des gens qui ont dit que c'est un bombe à retardement. Et ils ont la temps pour pouvoir agir. Pour rendre nulle sa destinée. Et cette sœur, elle était là. Mais quand elle s'est mariée, les frères, elle était médecin, elle travaillait dans une clinique privée. Tant qu'on a balani, c'est comme si quelque chose a pris les frères. Il a changé le comportement. Il est devenu impoli là où il travaille. Alors, comme on a 8 heures, lié par le chef de la polyclinique, la clinique où on a, les frères, les médecins boudent, et puis on les chasse. Tombe à chasser,
Il a commencé, comme ils habitaient Kaouka, bah, moi, pièce moko ya, ya studio, hein, studio moko boy. Là, je vous dis des choses vraies. Hein. C'est celle-là qui me. Je vous dis, elle a dit, bah, tu sais, lui, puta. Oui, kaboli chambre, non. Vous voyez, il y a quoi, hein? Vous voyez bien, oh. Attends, vous voyez, vous voyez, vous bien. Les poutres, kaboli chambre, non. Ce qu'on met, bah, souma, ils avaient moi, moulaï, donc. Ce qui est au petit mètre, moutou, ils ont la chambre, ma colo. Ils ont un salon. Et la sœur me dit, papa, bon, ce qui m'boule, les bêtis. Aux gens là-bas invitent, bah tu vas y goûter là. Parce que ça les a dit quand bah tu vas y goûter, vous venez les bandes. Mais ceux qui m'ont les obéit, il faut beaucoup t'en endao. Quelle humiliation. Son mari médecin, frère, les diplômes. S'il n'est pas accompagné par la délivrance, et vous avez la papier à pamba. Mais si ton diplôme est accompagné par la délivrance, c'est une porte pour la vie professionnelle. Amen. Ne sois pas esclave, y'a. Non, ton diplôme là. Si l'onction de Dieu ne descend pas, ça sera juste un papier qui va t'humilier encore. Médecin, à que vous allez débat courant la victoire. Et puis après ça, il rentre à la maison. Sa femme travaille dans la clinique universitaire, dans la CNPP, dans la pharmacie. Et sa femme maintenant a dit, donc il faut façon on a quelque chose. Ceux qui sont ça, 7000 francs. Ceux qui sont 7200. Parce que vous payez ça 7500 et puis il y a bien dit. Parce que 300 au moins dans la tête. Il y a 300 au moins dans la tête, mais il a commis déjà. Hein? Avec un bon moment, on a occupé notre tête. Alors, je ne sais pas chiffre, bah, 7600. Il y a un peu ça, 8000. Avec un 500. Et c'était comme ça. Alors, 500, bah, 500. Alors, on m'a déjà permis. Tant que si, elle me dit, elle a sali pied. L'ongoua, c'est un peuple. Tire un point. Parce que, bon, on a un moyen, on a un transport, et ça, c'est un kita. À quel ma colonne et là à somi ba babiloko ya wenza bitula wana à somi ndunda à somi mpiodi allez et non seulement ça ma colonne sous parce que na mwana moko jusqu'à kauka ba komi mobali wana a komi donc a komi vraiment une irresponsable et puis yo sokoutu tanga ba journaux olambinin atike le côté na tongo olambinin oh Kagabandunda, mais attiquez le côté. Il y a qu'un autant à ma journée. Mais la femme là, elle était tellement bien éduquée qu'elle voulait garder son mariage. Et elle faisait ses efforts. Aïe, moi, la bango tanga baniko, megagotam molaboué. Ne peron na biso, basale le pousse, ou ebi pousse. Yo ebi trottez, mais biso tambouan la pousse, ma pousse, biloka kala. Yama bayon, basale lien, juste parce que pauvreté, avec tellement ma casique, basale le pousse, ou libaya pour tambola. Ah! Et ça a sous des comment on va trotter, c'est hein? Mais il pousse à l'Ibayan, ça. La pauvreté. Ouf! Cette sœur-là, la situation était tellement insoutenable qu'elle est venue me voir. Oui, c'est ça qui a sauvé cette sœur-là. Non. Azabajan, tu as prié dans l'herbe à Rouya. On a commencé à prier avec cette sœur. On a commencé à prier. Seigneur, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne nous délivre pas de l'ignorance. On a commencé à prier avec cette sœur. On a commencé à prier avec cette sœur. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et puis la sœur est venue. Quand on commence, tu commences à entrer dans la présence de Dieu, nous sommes au lieu de Fungamara. Tu vas commencer à comprendre les choses. Papa, quand on nous souhaite échapper, quand on ressaisit en haut. Papa, dans l'autre, tu as toujours songé au bout. Qui est triste. Et puis quand je prends conscience, mais pourquoi je suis dans cette condition? Il faut que j'en sorte dans cette condition. Et si je fais un pas pour sortir, et balayer, et kainganzela. Et puis, na baye nanga, na songi swan. Ah mais c'est ça ma vie. Attends, ma vie, mouto ya edaka batou zo adosé, c'est comme il tourne, il faut me laye. Attends, ma lobi, et puis kouna baso zo abatou, c'est comme il tourne, mes frères, quand il y a une répétition de malheur, le problème, c'est toi. Amen. Et c'était comme ça. Mais on a interrogé à Nzambe. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, naturellement parlant, on allait condamner cet homme. On allait dire que cet homme-là, c'est lui, un homme irresponsable. Mais quand nous sommes entrés dans la présence de Dieu, le problème venait chez la femme. Pourquoi? Parce que, dans l'âge à 14 ans, son père était bateau, baba, 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 Baba Barana, parce qu'il priait à Mimi Banane, il y a un baba qui a prophétisé que Banane a une sorcellerie.
Alors, maintenant, voulant piéger les enfants, bah, professeur qui est dans la sorcellerie, pas, tant qu'on va délivrer, bah, le cabango, c'est quoi. Et ce papa l'a donné, confié ses enfants, et ils ont pris ses enfants, bah, le kibango. Donc, la sœur là, bah, le kaye. Donc, ceux qui nous ont fait le mus, elle est jolie, bien là, bien éduquée, mais spirituellement, il y a la mal, il y a mounen, il y a condamnation qu'elle transporte. Bah, il y a un bongate, ce qu'on tentait qu'on bongisaye, ou qu'on souffrit. Donc, c'était ça, la sœur transportait cette mal. C'est pourquoi, quand cet homme-là prie au mariage, tant qu'on a signé, allez, bah, comme une seule chair, la malédiction qui condamnait la sœur est pessime au bas, lui, le comportement est bah, irresponsable. Donc, si on va à la réunion, on va chasser cet homme, ils ont un endroit. Et quand la sœur va prendre un autre mari, il va le même comportement. Ce qui va boire deux fois de la même manière, le problème, c'est toi. Est-ce que tu comprends ça? Ah, amen. Et voilà, Dieu nous a dit, c'est ça son problème. Ah! Donc, sans la révélation, c'est le mari qui est condamnable. Mais quand nous entrons dans la révélation, c'est la sœur qui a le problème. Donc, et cette malédiction, c'est là à Bala. Oui, mais nous sommes retardés, les Bala, parce que ça veut dire que toi, tu as un problème. Mais toi, tu ne cherches pas en profondeur, au comigo, bêta, bêta, bêta. Non, non, non. Cherche Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais nous sommes en train de passer. Spirituellement, tu n'es pas encore capable pour gérer la chose. Il y a moins de gens qui élevé le niveau spirituel. Et cette sœur, quand on a prié, quand on a reçu la révélation, on a prié, on a chassé les démons, et il est rentré à Zonginandaku. Et la nuit là, cette là, je me rappelle de cette nuit, l'Esprit de Dieu lui a révélé, l'a réveillé la nuit. Et moi là où j'étais aussi chez moi, on a prié pour cette sœur. On a prié, moi je priais, elle priait. Et puis elle s'est endormie là-bas, chez elle, dans son mariage. À sa leçon, je l'étais toujours dans ses, dans moi, dans pièce Newana. Pièce de Wana. Et puis c'est. Ah, mais, ah, pourquoi je suis dans cette condition? Je suis parti, je vais quitter cette condition. Alors, elle s'est levée, à Banigo Tambol, et Balé Wana est toujours. Et Baré Nzela. Juste temps, Balé Baré Nzela, à mon pomme que Wouti Nicolo. Et Kiti, et s'établit ne Balé Wana. Et la sœur a traversé. Juste quand elle a traversé, paf! Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle est venue très tôt le matin à l'église me voir au bureau pour me dire, voilà ce que je fais comme songe. Elle a dit, ah, les choses ont changé. On n'a pas besoin de toucher pour croire. La révélation nous dit déjà que tu es comme une saisonine. Ah, moi je crois à la révélation. La révélation peut nous dire déjà que vous avez déjà la saison. Et quand nous avons réussi, on a béni le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après, son mari a été rappelé dans Médecins sans frontières. 2 semaines après, parce que la sœur était dans la scène papa sans numéro matricule. Donc, Azaï qui a beaucoup de bruit à 200. 2 semaines après, il y a eu le numéro matricule. Il y a eu dans le salon. Je sais pas pourquoi, dans mon arabango, au moins, il y a ouf! Cette sœur-là. Donc, il y a eu 1000 francs. Alors, il y a eu 70 dollars. Papa, mais là, tu as coca. Mes frères, vieux aux hommes, menez à yoté. Je vous dis que les choses peuvent changer. Vieux aux hommes, menez à yoté. Vous savez, mais alors on a l'ingé tout sous qui s'allume, parce que demain on va continuer. Que le comorote basalon n'est plus grand que ce que Jésus peut faire dans ta vie. Exact. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose au yo. Et ça m'a vu de manière à ce que même si Jésus se lève dans ta vie, à Okokate, il n'y a rien, il n'y a pas de telle chose. C'est pourquoi, quoi que soit ta situation spirituelle, c'est possible que cette semaine ait cédé na kombo na Yesu. C'est possible que pour Ewout Alikolo ait s'établi dans Zela na yo, que tu fasses aussi de nouveaux pas par les noms puissants. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, tu te lèves et tu acclames très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ceux qui croient à la victoire poussent les cris de joie. Wouh! Alléluia! Alléluia! Oui, ça a goûté les mains. Vous savez, oui, quand Jésus a posé la question, ça a goûté les mains, mon frère. Quand Jésus a posé la question à mon témoin, quel est ton nom? Alors, les gens, parce que les gens,
dans l'armée romaine, les gens avaient au moins 6500 soldats. Pour dire, tous alliés, nous sommes nombreux, tous 6500 démons. C'est-à-dire, le diable, tant que nous sommes là, va répondre à la démon, dit, c'est fini. Tous alliés, 6500 démons. Pour que tout ce qui va tenter pour la délivrance n'ait échoué. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? Philippiens chapitre 2. Jésus existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé sa divinité, mais s'il était humilié, il a pris la forme d'un homme en étant obéissant jusqu'à sa mort, et sa mort c'est la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, et parce que seul Jésus, dans la famille de ton père, seul Jésus est Seigneur. Dans la famille de ta mère, seul Jésus est Seigneur. Dans cette église, seul Jésus est Seigneur. Lève tes mains, commence à proclamer dans ta vie, seul Jésus est Seigneur. Proclame dans ma vie, seul Jésus est Seigneur. Lève tes mains dans une église, pour que chacun proclame, seul Jésus est Seigneur. Alléluia. Non. Les gentils. Mais seul Jésus. Alléluia. Jésus est plus grand que le niveau de la sorcellerie de la famille de ton père. Jésus est plus grand que le niveau de la magie de la famille de ta mère. Jésus est plus grand. Ce ne sont pas les ténèbres qui mettront la fin au règne de Jésus, mais c'est Jésus qui mettra la fin au règne des ténèbres. Le contraire, ce n'est pas possible. Oh, Église, tombola mungongo, banakoloba, seul Jésus est Seigneur dans ma vie. Seul Jésus est Seigneur dans ma santé. Ganga makasi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'oba bien, seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Oh Zoloba, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus dans ta vie. Nous avons la délivrance à Sœur Moko. Nous avons la délivrance à Papa Moko. Nous avons la délivrance à Maman Moko. Nous avons la délivrance. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, proclamez Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur dans mes finances. Jésus est Seigneur dans mes études. Jésus est Seigneur dans mon mariage. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Siko, Yoka. Yoka. Siko. Bandako boya binga na zambeka ya famia tatate. Na zambeka ya famia mamate. Santé na nge zambeka te. Libala na nge zambeka te. Vina nge zambeka te. Bandako boya. Boya la kombo na Yesu. Loba na zambeka te. Loba na zambeka te. Boya koza la sacrifice. Boya koza la sacrifice. Boya koza la sacrifice. Oh zolo bezo salama. Oh zolo bezo salama. Boya koza la sacrifice. Boya koza la sacrifice. Alléluia, 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 alléluia. Oh zolo bezo salama. Boya koza la sacrifice. Boya koza la sacrifice. Boya koza la mbeka. Boya koza la mbeka. Boya koza la mbeka. Oh
Jésus. Oh, Jésus. Boya kozalambeka. Boya kozalambeka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Boya santé na ozalambeka. Boya libala na ozalambeka. Boya finance na ozalambeka. Boya bétude na ozalambeka. Boya destiné na ozalambeka. Boya na kombo na Yesu. Boya, boya, boya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Siko, siko, yoka. Siko, na lingi siko yo. O bonde la nabakasi nyonyo soto. Beko bange lo gote. O pesa od. O yo nyonso akanga vina o na bo umbo. O mari de nu, esprit a pauvreté. O so ginani. Pesa od na komo na es. Abimatika vina chasile. O yo nyonso akanga vina o na bo umbo. Akanga libala na yo. Akanga santé na yo. Pesa ode na légion. Akanga kobota na yo. Légion, abima. Pesa ode. Pesa ode. Pesa ode. Pesa ode. Pesa ode. Wouh! Il se passe quelque chose. Pesa ode. Mari de nuit. Femme de nuit. Oyo nyonso, oyo nyonso, oyo nyonso. Pesa ode, pesa ode, pesa ode, pesa ode. Akende, chasse-le, 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 chasse-le. Pesa ode, pesa ode, pesa ode, pesa ode, pesa ode. Pesa ode, pesa ode, pesa ode. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Pesa ode, pesa ode, pesa ode, pesa ode. Jésus est Seigneur, 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 Jésus est Seigneur. S'il vous plaît. Alléluia. Nous avons tous nos mains levées. Au revoir, Nzambo, il y a Christ qui pond la grâce dans la vie à ses rois, pour traverser. Au revoir, mon ange sera dans la vie. Qui sait l'angle pond la grâce au roi. Ceux qui prient, commencent à prier, tu vas mettre la main de descendre sur toi, le bon qu'on a ensemble, qu'on quitte le corona, et bien, Zambo, il y a qui ça qui prend la grâce, voilà. C'est moi, ça qui prend que des années, il milliers, mais il y a qui s'y prend à traverser, prend la grâce, pas ça là-bas, pas la gloire, pas ça là-bas, pas la délivrance. Zambo, qui ça là-bas, Paul, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, demande cette grâce, c'est possible. Ceux qui prient à langue, commence à prier à langue. Ceux qui peuvent chanter à langue, aidez-vous à chanter, appelons la grâce. Alléluia, 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 alléluia. Oh, oh, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est tout. Alléluia, Benna Poyagas, Poyagas, Zamboyo,
Zamboya change ka histoire. Zamboyo. Zamboya change ka vie. Akita. Akita. Oh Jésus. Oh Jésus. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est ton tour. C'est ton tour. Comment la visitation ensemble. Visitation à Zambété. Alléluia. 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 Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là ce soir pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci pour la présence. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci parce que tu nous as aimés. Merci pour ton amour. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. 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 Amen. Amen. Nzambe a pambola yo. Ton église n'est pas une victime. Parce que ton église a reçu le pouvoir. C'est à nous que tu as donné le pouvoir, ton église. Merci Seigneur, parce que tu fais de ces hommes et de ces femmes de plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso ebunga ki ezonge lyo na kombo na Jésus-Christ. Oyo nyonso bayiba ki ezonge lyo na kombo na Yesu. Bapondo ekangama ki efungwami na kombo na Yesu. O bandi iswa ya sika na kombo na Yesu. Il y a un moment proclamer que le bonheur et la grâce est accompagné au nom puissant de Jésus-Christ.